Histoire. Légende. Crime. Mister Story. Historien. Juin 1944. Il y a 76 ans, la plus grande opération de l'histoire a eu lieu sur les plages normandes. Le 6 juin 1944. Son nom, Opération Neptune. Le débarquement a eu lieu sur plusieurs plages, Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword, des kilomètres de plage. À minuit 30, les parachutistes de la 82 et 101e division Airborne sont parachutés à Sainte-Mère-Église. À 6h30, les soldats américains débarquent sur les plages normandes de Utah Beach et Omaha Beach. À 7h30, les Britanniques débarquent sur les plages de Gold Beach et Sword Beach. Parmi eux, les 177 soldats français du commandant Kiefer, 8 heures. Les soldats canadiens débarquent sur la plage de Juno, 12 heures. La plage Omaha Beach est prise. 14 heures. Les soldats américains débarquent à Utah Beach, rejoignent les parachutistes largué dans la nuit. 18h. Les soldats britanniques débarquent à Gold Beach, arrivent aux portes de Bayou. Les soldats débarqués à Juno et Sword Beach se sont rejoints et ont pénétré jusqu'à 12 km en direction de Caen. 21h. Les chars allemands partis de Caen arrivent sur la plage de Sword et font demi-tour sans attaquer. Minuit. Le débarquement des soldats et du matériel s'est poursuivi toute la journée. Le soir, près de 160 000 soldats alliés ont débarqué. Le débarquement est une réussite. Toutefois, les Britanniques n'ont pas réussi l'un des principaux objectifs. Ils ne se sont pas emparés de la ville de Caen. Lors de l'opération Neptune, 30 000 soldats ont perdu la vie pour la liberté. Gardons cette partie de notre histoire en mémoire. Il ne faut jamais oublier ce jour important, le débarquement en Normandie. Encore aujourd'hui, sur le littoral normand, on peut encore voir les vestiges du débarquement. De nombreux cimetières militaires avec les croix blanches peuvent être visités. Nous pouvons encore voir les blockhaus tout le long du littoral normand. Ce jour sera à jamais gravé dans l'histoire. J'aimerais dire merci à tous ces soldats qui se sont sacrifiés. Un grand merci. En espérant ne plus revoir ces horreurs. En espérant avoir la paix dans le monde.